Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est le début de la semaine, c'est la première vidéo aussi. Aïe aïe aïe, j'ai des choses à vous dire. Mais je pense que nous allons nous dire des vrais trucs. Nous allons nous dire des vraies choses. C'est un truc hors du commun. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de l'année 2020. L'année 2020. Pourquoi cette année est si bizarre? Pourquoi il y a tant de choses étrangissimes? Bonjour. Pourquoi il y a tant de choses étranges? C'est ce que j'aimerais vraiment comprendre avec vous. C'est pas une chose facile. C'est pas une chose simple. Vu tout ce qui s'est déjà passé et tout ce qui va arriver, vraiment, le monde fait peur aujourd'hui. Quand nous sommes entrés en 2020, tout le monde était content. Personne ne s'attendait à ce que les choses se déroulent comme ça. Les gens ont commencé par se souhaiter les meilleurs vœux. Et tout allait bien jusqu'à ce que on apprenne qu'un virus est sorti de nulle part et est allé traumatiser tout un monde. Même les grandes nations de ce monde ont décidé de fermer leurs frontières. À la télévision, on entendait parler que de contaminés. On entendait parler que de morts aussi. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Tant de problèmes. On nous a parlé de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. On nous a raconté beaucoup de choses. Maintenant, tout le monde cherche un remède, un vaccin pour fixer le problème. Mais jusqu'à là, apparemment, personne n'a trouvé la solution à ce virus qui a tué les gens. Personne n'a trouvé la solution. Et j'apprends récemment que le président des États-Unis dit que seul Jésus-Christ peut guérir le coronavirus. Parce que le virus a même un nom. Ça s'appelle le coronavirus. Comme si ça ne suffisait pas, dans la même année, voici encore quelque chose de vraiment grave qui va se passer aux États-Unis. Là, ce n'est plus le fait d'un virus. Maintenant, c'est l'homme qui est en action. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique. Voici une surprise terrible qu'on reçoit un bon matin. On apprend que un noir américain s'est fait tirer dessus. Non, 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 il ne s'est pas fait tirer dessus d'abord. Ça, il va en venir. En fait, ce noir américain-là, qui s'appelle... Comment il s'appelle là? Ah! Quand son nom va venir, vous allez me dire. Le monsieur qui est mort sous les jambes de policier là. Si vous connaissez son nom, mettez son nom en commentaire. Ah! Le monsieur est décédé parce que il a utilisé un faux billet pour faire des achats au supermarché. Et un policier qui a mal fait son boulot l'a tué. En fait, le policier l'a carrément... comment on va dire? Le policier l'a attrapé. Il l'a positionné auprès de son véhicule. Et il avait son genou sur son cou. Et ça, pendant 8 minutes, le gars a dit, ah, écoutez, je n'arrive pas à respirer. S'il vous plaît, je n'arrive pas à respirer, je vais mourir. Je n'arrive pas à respirer, je vais mourir. Et il parlait ainsi. Personne pour venir l'aider. Et voici comment ce monsieur-là, dans cette grande douleur-là, est décédé. Quand c'est arrivé, là, quand c'est arrivé, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Le monde entier dans la rue. Bouh! Justice pour George Floyd. Voilà, c'est son nom. Voilà, justice for George Floyd. Justice pour George Floyd. Justice pour George Floyd. Tout le monde crée justice pour George Floyd. Et ça fait un tapage. Moi-même, j'en ai parlé. Finalement, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit le gars et toutes les personnes qui ont, tous les policiers qui étaient dans ce coup-là, ils ont tous été arrêtés. On les a conduits en prison.
Mais à un moment donné, juste là récemment, j'ai appris que celui-là même qui a tué le noir américain, là, ce policier-là, j'ai appris que il a été libéré. Il a payé 1 million de dollars et on l'a libéré. Et il doit retourner là-bas, bon, pour il doit continuer cette affaire de justice l'année prochaine, genre en avril, mai, en avril et mai prochain, quoi. C'est-à-dire 2021. Voilà, c'est le gars, il est en liberté. Et ça a touché beaucoup de personnes. Les gens sont là pour dire, mais j'hallucine ou quoi? Comment quelqu'un peut tuer quelqu'un et puis il paye juste 1 million de dollars et il est libre? Donc maintenant, la vie d'un humain coûte 1 million de dollars. Aïe, aïe, aïe. C'est une chose qui a vraiment étonné tout le monde. Je n'ai pas en parlé parce que je me suis dit que peut-être que c'est de la blague. Maintenant, ça n'a même pas duré. Voici qu'on découvre encore une chose terrible. C'est encore un autre noir américain qui allait séparer des gens qui tentaient de faire le conflit, c'est-à-dire, j'ai des problèmes des femmes, là, vous voyez souvent les femmes à la maison, tu fais des bagarres. Et il arrive là pour séparer, la police aussi arrive derrière, croyant que c'est lui. Ils se sont jetés sur lui en même temps. Le monsieur a refusé d'obtempérer, il a refusé de causer. Et voici comment. Les policiers, là, il y a un des policiers qui a tiré cette fois sur son dos. En ce moment, le monsieur à l'hôpital, il me semble qu'il est même paralysé. Tout ça dans quelle année? En 2020. Pourquoi? Pourquoi en 2020? Ça n'a pas duré. On a parlé de George Floyd. Il est décédé. Et voici, quelques temps après, on tire encore sur un autre noir américain. Là encore, qu'est-ce qui va se passer? La population est encore sortie. La population est encore sortie. En ce moment-là, on a oublié le coronavirus. Ce virus qui tue les gens, on l'a même oublié. Où est-il passé? Personne ne sait. Quand je regarde ça, je me dis, rien ne va en 2020. Il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière. Il y a une sorte de complot qui a lieu sur notre dos. Complot. Et voici que maintenant, je vais regarder. En Afrique, ici, on parle d'élection par ci, d'élection par là. Il y a des gens qui veulent faire 3 mandats. Le peuple dit non, on ne veut pas. Au lieu d'accepter ça, ils se disent non, il faut qu'on aille jusqu'au bout aujourd'hui pour avoir la victoire. Et ça crée des tensions. Et au fur et à mesure, ça crée des tensions, les gens tombent et les gens meurent. Ça, c'est quoi son corps? Alors que nous sommes toujours en 2020, nous sommes toujours en 2020. Ça n'avait pas encore duré, encore, je regarde juste là, au Nigeria. Voici la police, une unité de police qui va maintenant faire du mal à un Nigérien. Là, la population s'est levée pour dire trop, c'est trop, parce que ces gens-là, on a cru qu'au départ, ils étaient venus pour nous protéger, mais maintenant, là, ils sont venus pour nous escroquer d'abord. Et nous tuer, donc tuer combien de personnes? Beaucoup de personnes, cette fois c'est trop. Il faut se lever, il faut se réveiller. Et les Nigériens sont actuellement dehors, ça crée un cafouillage total. Il y a eu des tirs, il y a eu des morts, il y a eu des affrontements. Vraiment, quand je regarde ça, il me dit que nous sommes en 2020. Que se passe-t-il en 2020? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Voici ce qui se passe en 2020. Moi, je dois vous raconter ça pour que vous souvenez de ça et vous analysez la situation pour savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Pourquoi? Je parle de la révolution. Mais il y a quand même des morts. Les gens tombent. Et où sont passés les chrétiens? Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer encore? Pourquoi toutes ces choses-là sont-elles tombées en 2020?
Nous savons tous qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je me dis qu'il y a un complot qui se passe en 2005. Comme s'il y a quelque chose qui a été préparé depuis pour que ça se passe en 2005. Mais priez pour ne pas rester dans 2020. Priez. On dit qu'il y a un virus qui est arrivé. Ça commence à tuer les gens. Et tout à coup, on dit qu'il y a un être humain. Aux États-Unis, la population sort. Personne n'est protégé. Personne n'a son masque. Tout ce qu'ils ont dans la bouche, c'est justice, justice pour George Floyd, justice pour tant. Et les hashtags par-ci, les hashtags par-là. Tout ça là. Moi, je pense qu'il y a un complot derrière. Analysez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés.